D'accord. Ok, c'est parfait. Alors. Attendez. Donc bonsoir à tous et bienvenue, désolé sur ce live stream, désolé de commencer un petit peu en retard par rapport à l'heure prévue, j'ai eu un petit souci d'ordre informatique, mon PC portable ne faisait pas ce que je voulais. Donc, alors le titre l'indique pas, on va faire du Civilization, comment s'appelle, du Civilization Beyond Earth Rising Tide. Juste pour vous montrer un peu le jeu où il en est par rapport à l'extension, parce que c'est ma partie actuelle en fait que je suis en train de faire. Et ce soir, si vous voulez proposer des jeux, eh bien n'hésitez pas, il n'y a pas de souci avec ça. Au contraire, alors j'ai juste modifié juste le titre du live puisque ce n'est pas bon. Donc c'est Civilization Beyond Earth Rising Tide. Alors s'il y a un problème pendant le live, n'hésitez pas à le dire. Normalement, il devrait pas y en avoir, mais on ne sait jamais. Down, hop, voilà. Donc normalement, là, c'est bon. Donc alors, pour ça, pour vous indiquer, donc je joue actuellement en faction pas la faction d'origine donnée dans le jeu avec l'extension. Donc je joue Utama du Commonwealth du Pacifique, donc nation basée sur le. Comment ça s'appelle, sur le commerce basiquement, mais en fait je suis parti pour une partie en domination. Me demandez pas comment j'ai fait mon coup, mais j'ai réussi en tout cas pour le moment mes objectifs stratégiques. Je suis en train de dégommer tout le monde petit à petit. Alors une des particularités que rajoute le jeu, c'est tout simplement le fait que... Oula, désolé, j'ai eu un petit bug bizarre. Donc tout simplement une des particularités que rajoute le jeu, c'est tout simplement... comment ça s'appelle, les villes sur l'eau, justement, voilà. Donc vous en voyez ici un petit exemple, je sais pas, avec Jim Boomba ou je sais pas quoi là, je sais pas le dire. Et donc coucou à tous ceux qui arrivent. Et donc sachez aussi que vous avez donc il y a ça qui a été rajouté dans l'extension. Il y a aussi les points diplomatiques, le capital diplomatique pardon, qui permet de gérer le voilà, par exemple l'affinité, etc. J'ai pas trop compris en soi comment ça fonctionne, mais c'est pas grave. Et donc du coup la vie, alors du coup ça je vais le virer. Donc là je vire par contre tout ce qui me coûte de l'argent et qui est pas utile, donc à savoir les améliorations bien sûr, hein, de ville, tout simplement parce que au final je domine tout le monde, donc j'ai pas besoin de me ruiner au niveau des infrastructures. Alors ça c'est fait. Ici de toute façon cette ville là va disparaître, donc du coup non pas celle là pardon, celle là reste, mais je fais quand même attention ici. Alors on en est à... c'était le périmètre de défense là qui ne sert à rien. À Citadella il n'y avait plus rien. À Durado truc chose, écoutez, hop, de toute façon la ville va disparaître, j'ai demandé qu'elle soit détruite. Encore 4 tours. Alors ici. Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah, peut-être parce qu'il y a un petit problème. Mais je pense que c'est. Faut que les PV soient au max. C'est pas grave. Alors, ça c'est fait. Rangi, peut-être que je vais virer ça. Bah il a de toute façon tout à rien, donc c'est bon. Toi t'es bon. Alors, je suis désolé, là c'est un peu fouillis. J'essaie de virer. Ce qui me coûte de l'argent et qui est pas utile, genre ça aussi. Mandira, c'est bon. Ok, bon bah ça a l'air d'être plutôt bon. Donc on peut passer le tour. Alors donc il y a ça dans le jeu, il y a bien sûr aussi le système des artefacts qui a été rajouté, donc à savoir c'est ça en fait, c'est en fouillant des ruines, des squelettes d'aliens, comment on appelle ça, des nids. Donc voilà, vous voyez, on peut les démanteler pour récupérer des bonus. Et si on a un troisième, ça nous permet d'avoir des bonus sur toute la partie, par contre. Tout simplement. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça. Par contre, je comprends pas trop là. Oui, si tu veux, oui. J'ai un peu de péter ton coloniseur parce que tu me fais une bêtise. Oula, oula. D'accord, je savais pas qu'ils savaient ça, donc j'ai fait marche arrière. C'est vraiment pas un bon plan.
du coup. Alors. Donc, apparemment, l'IA est un peu plus sophistiquée que ce que je le pensais pour l'arc. Enfin, l'œil là, les Illuminati ou je sais pas quoi. Donc, du coup, on va devoir se méfier. Oui, et ça me fait suer. Donc, je vais devoir reculer ce truc-là, le soigner. Et je vais devoir ramener ce bateau-là par là. Celui-là, hop. Donc là, en fait, je suis en train de racheminer toutes mes troupes vers le front que j'ai pas voulu spécialement au départ, mais qui s'est quand même lancé. Donc à savoir avec Suzanne, je sais pas quoi là. Donc faut que je me dépêche un peu. Elle se donne un peu beaucoup à cœur joie à me pilonner. Saleté. Voilà, donc j'ai pété son coloniseur. Je vais péter ce truc là. Je vais pas attaquer sa ville, par contre je vais me mettre en... Voilà. Alors eux, c'est un peu ma... En fait, je suis bête, j'aurais pas dû faire ça, bon c'est pas grave. C'est un peu mes troupes paumées, parce que j'essaie aussi de préparer la guerre ailleurs, parce que le problème c'est que l'IA a pas forcément eu la meilleure idée en se plaçant à des endroits, donc... Faut se débrouiller comme on peut, hein. Sinon ben, c'est pas marrant. Hop, alors... On va faire ça... Comme ça. Donc maintenant, faut toujours acheminer les troupes vers les nouveaux fronts. Et ça, c'est un peu la partie chiante du jeu, si je puis dire. Bon, c'est pas très grave. Hop, on achemine tout au fur et à mesure. Tout va arriver à point nommé. Ici, il faut que je regarde. Est-ce que je peux payer un truc? Non, je ne peux pas. Fait qu'il me fait suer. Parce que la ville est encore en trop mauvais état. Cette tour. Est-ce qu'ici je peux acheter? Non, je peux pas. Non, j'ai le produire ici à la limite. Donc c'est un baron. J'ai pas attendu 8 tours, sérieux. J'ai tout déjà fouetté. Je vais faire la sentinelle de station. Je vais vous montrer. C'est une nouvelle unité, justement assez intéressante. Alors, non, toi tu travailles, c'est très bien. Non, continue à travailler. Pardon. Hop, soigne-toi. Très bien. Donc, si on arrive à lui piquer cette ville-là, ça nous fera ça de gagner. Après, il faudra juste prendre Centrale, qui va probablement mettre plus de temps à être pris. Un peu l'inconvénient de la chose. Et du coup, en fait, ça va pas aller, ça. Donc, faut que je l'achète. Bien, je m'en fous, j'ai 6295 de ressources, donc on n'est pas à ça près, mais c'est un peu chiant. Il faut l'avouer. Excusez-moi, je vérifie, mais mon téléphone a arrêté de bugger. D'où aussi le fait que j'étais en retard, j'ai eu des problèmes avec mon téléphone. Bon, t'as l'air de t'amuser là, mon coco. Vraiment. Ah merde, j'ai oublié celui-là. Un peu pété cette unité-là. Alors, du coup, hop, hop, hop. Donc, vous voyez qu'on est plutôt bien posé. Plutôt une bonne partie en soi. Faudra juste voir ce que ça donne par la suite. Zut, hop. Alors, je suis désolé, hein, peut-être que le commentary et tout est nul pour le coup, mais le fait de mourir mieux. Alors. Si c'était pas un live tellement prévu que ça, je me suis dit pourquoi pas faire un live du coup, ben, devant un live. Et de toute façon, ce live stream sera disponible en rediffusion sur YouTube comme d'habitude. Hop. Pardon, petit problème de digestion. Voilà, c'est très bien. Alors, Rangi, qu'est-ce que tu vas me faire, Rangi? Tu vas me faire une fonderie d'alliage, voilà. Ici, on va faire un... Qu'est-ce qu'on va te faire? Rien du tout, tu vas... C'était obligé. Ok.
Lui, il s'amuse à me tirer dessus depuis tout à l'heure, mais il n'arrive pas à grand chose. Ok. Si tu veux. Alors. Ok. Tu me le coules pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Oula, 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 oula. Voilà, désolé. Je n'ai pas très bien optimisé, on commence à être un peu habitué. Alors, avec les civilisations, justement, c'est un peu con et chiant, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire la xénopépinière, on va faire... Ah, en effet. On va rester sur la défensive. Ici, on va reculer, parce qu'on n'a pas trop le choix, malheureusement. Sentinelle de station, c'est parfait. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Voilà, donc vous voyez, ça ressemble à ça, et en fait, c'est complètement pété, parce que ça renforce les défenses, tout simplement. Donc c'est plutôt plutôt fumé, et ça dure pendant 60 tours, donc c'est plutôt une chose très agréable, faut le dire. Petit truc en plus, quoi. Très bien, hop, nos troupes se baladent sur la map. Tac. Alors, j'ai une décision à prendre. J'ai besoin de nourriture pour mes villes. C'est une obligation. Fais rien. Tout. Enfin, si tu peux, mais ça sert à rien. Allez, hop. Et donc, du coup, encore un tour et ça fera du malus en moins. Hop. Et là, on est juste devant sa capitale, donc c'est parfait pour nous. On va pouvoir la prendre rapidement, ce qui est vraiment l'idée. Ah, voilà, donc artefact découvert, verre de voûte flottant, des vers géants en suspension dans l'air très lent. Les vers de voûte flottant sont globalement considérés par les xénobiologistes comme étant inoffensifs et une potentielle source de nourriture. Leur capacité à planer dépasse l'entendement, même si certaines théories avancent que ce phénomène serait dû à la quantité importante d'aéroches qu'ils ingurgitent. Ils ont tendance à se rassembler pour former de petits essaims, se protégeant ainsi de nombreux prédateurs terrestres. Bon. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble, ce truc-là, justement, donc... Non, je peux pas prendre la case, dommage. Dommage. Quoique, celle-là, on va juste la prendre pour nous. Hop, parce que c'est de la xénomasse, c'est plutôt une bonne chose. Ici... Vas-y, fais dodo, de toute façon, tu fais ton boulot. En état d'alerte. Mes navires arrivent. Il leur en faut du temps parce que c'est un peu pas des navires rapides, mais bon, c'est quand même plutôt radical comme efficacité. Il faut l'avouer. Zut. Voilà. Hop. Alors, si j'y pense, je vais vous le montrer de suite. Alors maintenant, je peux vous le montrer. Donc voilà. Alors. Hop, on fait comme ceci, et vous voyez que là, ça va donner construction par projection, vitesse de déplacement des ouvriers, plus 2. Vous voyez, c'est plutôt pété. Hop, on le valide. Et voilà. Donc ça fait une amélioration encore en plus par rapport à tout le reste qu'on a déjà fait avant. Donc c'est plutôt, plutôt sympa. Un peu fumé quand même, mais vraiment, vraiment pratique du coup. Hop. Donc c'est plutôt intéressant tout ça. Ça, je sais qu'elle a été éliminée. Ce qui me plaît pas, c'est qu'il a ça, des RDNC, qui sont des unités assez violentes. Et il faudrait que j'en produise en masse pour m'en débarrasser. Il y a aussi le RAS, qui est une unité extrêmement violente. Que je peux pas vous montrer malheureusement. Elle est vraiment pétée. En même temps, c'est une unité de suprématie, donc on va pas dire que c'est de la merde. Et alors ici, on en est où? 4 tours. Là, normalement, au prochain tour, ça va être très bien.
Attendez. Ouais, je peux le faire là, c'est un ordre, hop. Donc là, normalement, voilà, très bien. Annexé, voilà, c'est fait. La ville a été récupérée, donc maintenant on peut se tourner vers l'arc. Si je me trompe pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, hein, parce que m'arrive des fois de dire des bêtises. Normalement c'est ça. Et du coup, d'accord, ok, j'ai gagné un truc que je voulais pas spécialement. Alors ça, faut le virer parce que ça me coûte de la thune. Hop. Et donc, raffinerie d'eau, parce que c'est une ville qui est sur l'eau et c'est fumé comme technologie. Alors, il essaie toujours de me tuer. Il a pas l'air d'avoir compris. Plutôt culotté de sa part, mais bon, c'est pas très gênant. Alors, vous dites pas que j'ai oublié de mettre le micro. Non, c'est bon, vous avez bien le micro, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors... oula, tranquille, là. Comment je sais que tu m'attaques ? Veuillez m'excuser, mais je peux peut-être vous aider. Merci, tais-toi. Tais-toi. Voilà, c'est bien. Hop. Qu'est-ce qui se pose ? Voilà, tranquille, l'alien, tu te fais plaisir. Posez. Alors, du coup, toi, t'avances. Toi, t'avances jusque-là. Toi, t'avances jusque-là. Alors je pense pas que cette force d'expédition va suffire pour détruire la ville, enfin prendre la capitale en tout cas. Parce que c'est un peu le but de... En domination apparemment, les victoires par domination, c'est qu'il faut juste prendre les capitales. Donc on va essayer de faire ça, mais je peux pas vous garantir que ça va être un succès. Parce que c'est un peu pas évident. Hop, donc là du coup, vu qu'on a débarrassé l'autre, c'est parfait pour nous. Toi, tu vas te réparer. Toi, tu vas aller là. Puis tu vas bosser après. Toi, tu vas là. Hop. Hop. Voilà. Donc, on est en train de balayer... De... balayer n'importe quoi. De balader toutes nos unités. C'est magnifique. Oh, c'est trop mignon. Et donc... Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je ramène cette unité-là. C'est même ce que je vais faire, je pense. Non, non, on va les laisser là. On sait jamais. Pour protéger, il vaut mieux faire attention... puisque si ça me pète à la tronche, ça va être moins marrant. Alors, soutenir la colonie. Technologie gratuite, ça m'arrange. Alors, en technologie gratuite, tu me vends quoi? Tu me vends quoi? Échelle des dalles. Ah, ça c'est bien. Pour la capitale, c'est très bien. Voilà, hop. Donc du coup... En capital, j'ai lui demandé de construire échelle des dalles. Voilà. Ça lui fera un peu les pieds. Il arrêtera de se tourner les pouces. Alors ensuite. De toute façon, là, je peux pas faire grand chose. Un peu l'inconvénient de la situation. Toi aussi, tu. Ouais, ok. Donc en gros, quand toute ma flotte sera là, on pourra prendre la ville. Je pense que ce sera plutôt efficace. Alors. On va aller par là. Moi, Noël. Hop, tu me vires ça. Ici, tu me vires ce truc-là. Puis, de toute façon, après, tu vas me faire la turbine. Voilà. Mandira. Hop. Alors maintenant apparemment je peux produire des trucs dedans. Ah, plutôt pas mal ça. Hop, tu vas me faire ça. Pareil, hop. Bon ben c'est parfait. Voilà, comme ça les villes sont occupées. C'est fait, c'est fait. C'est inutile ici. Non, change ton ordre. Voilà, tu me fais une clinique. Vu que c'est un peu la santé qui nous pose de graves soucis dans la partie. Alors. Où qu'on en est. Alors ça, ça va être rapidement réglé. Ça aussi, parce que c'est un peu les derniers de la partie. Donc ça devrait plutôt vite être mangé. C'est juste elle qui me fait suer. Elle me fait même carrément suer à un point affolant.
Vol de science, que j'ai pas besoin d'unité transfuge. Et hop, c'est parti, on valide le tour. Et... Alors, oula, 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 oula. Il a pas peur, le gars, là. Il attaque quand même mon bateau. Ah, moi, pas peur, pour le coup. Donc, alors, où qu'ils en sont. Ah ben voilà, c'est bon, elle est morte. Bien joué. Beau travail. Alors, du coup, allez, t'es où? Allez, vite. Très bien, hop, on réachemine. Fais ce qu'on te demande, toi. Hop, là. Toi, c'est très bien, t'es arrivé. Hop, tu me fais des fouilles. Par contre, là, faut pas que je fasse d'erreur. Ouais, c'est ça. Faut que je... Oh là là, la galère. Faut que je fasse... Oh mon dieu, la galère. Ah non, c'est bon. Ça va. Je dis des bêtises. Je commence à m'apitoyer alors que c'est bon. Alors, du coup, hop. Ceci et ceci. Ici, on va le positionner. Puis eux, ils arrivent petit à petit. Hein. Un peu long, mais... À toute lenteur apparente arrive tôt ou tard l'heure de l'action, n'est-ce pas? Donc, alors. Tac. Ici, hop. Hop. Toi, tu vas me faire ça. Toi, t'as fait du bon boulot, donc tu vas pouvoir faire je sais pas quoi. En fait, j'ai pas grand chose à te donner, toi. Tu vas devoir aller là. Voilà. Donc, ensuite, t'es arrivé à destination. Tu vas m'établir un réseau. À Ardin. Ah, tiens, il y a une ville ici aussi. Bon, c'est intéressant. Bon, à savoir aussi, accessoirement, mais. Pas sûr que ça nous aide pour grand chose. Hop, tu te soignes. De toute façon, je peux rien faire, j'ai pas assez de bateaux dans le coin. Et ensuite, faut regarder pour toutes les villes qu'on a prises. Alors, faut que je vérifie. Non, donc Citadella, c'est bon. Manuel, c'est bon. Toi, t'es... Bizarre, pourquoi t'as fait ça, toi? Un peu con. Tu peux. Donc, un ici et... Un ici, voilà, hop, c'est bon pour ta croissance. Ici, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il m'a encore fait comme connerie? Non, annule. C'est ça que je veux, voilà. Donc, déjà, la bouffe, ici, ici. C'est vrai que c'est un peu problématique la bouffe là-dedans. Ben ici, ici, on va tout foutre dans la truc de la côte là. Ici, ici, ici. Et ici, et maintenant il me faut de la thune. Donc pour la thune, il faut. Ça en fait tu peux le. Merde. Ça en fait tu peux le virer. Bon, ça sert à rien. Et donc du coup. Production, production, et un truc qui rapporte vraiment de la thune dans tout. Bah ça, voilà. Et voilà. Donc du coup, c'est fait. Et tu fais quoi en fait? Ah, tu fais ça, d'accord. Donc c'est clair que j'avais un peu oublié de gérer ça. Donc on va le gérer aussi là, hop. Population qui fait n'importe quoi. Hop, 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 hop. Donc l'IA choisit pas nécessairement les meilleurs positionnements, enfin, en tout cas moi je trouve. Alors faut savoir que c'est vraiment dans cet opus là que je me suis mis à gérer moi-même les... Enfin, excusez-moi du coup dans le micro. À gérer moi-même les... La question de la... De positionner les mecs dans les villes et tout. Parce qu'avant je ne le faisais pas. Honte à moi. Honte à moi. Non. J'ai des bêtises. Ici, 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 moins 7, encore 9. Ici, hop. Voilà, il y aura un peu de croissance du coup. Voilà, c'est bien. Et puis maintenant, on fout dans ce genre de truc, tac, tac. Alors ça, ça rapporte
Rien, d'accord, ok, c'est cool. C'est qui sert à rien. Et bah écoute, j'ai pas le choix, je vais me mettre là. Et un là, voilà. Comme ça c'est fait. Voilà, donc une ville qui a un bel avenir devant elle. On va retirer tout ça. Et donc du coup, ça veut dire que c'est... non. Non, non, pardon, je fais des bêtises. Donc du coup, moins 16. Bon écoutez, on va juste le laisser comme ça, elle va pas évoluer. Et ici, tu me vires tout ça. Voilà, c'est bien, on va pas trop se casser la tête. Voilà, ok, on va dire que c'est bon. Largement suffisant pour le coup. Alors. Là, il s'amuse à me tirer dessus, mais on s'en fout un peu. Je valide directement mon tour si j'ai pas le droit, d'accord. Je fais le tour de Xenomas, d'accord, ok. Ne fais pas suer. Alors. Là, sérieux, le mec, il se fait plaisir. Il me pilonne de bout en bout. Donc, je crois que cette ville-là à prendre va être extrêmement dure. Ouais, et j'ai pas de couverture satellite. Donc, on pourra pas s'amuser à le décommer comme je veux. Mais c'est pas grave, écoutez. Le plaisir est plus grand dans la difficulté et l'adversité. Donc, comme ceci. Hop. Oh, ils reviennent. Ils reviennent bien accompagnés. Couchés. Voilà. Toi aussi couché. Comme ça, on extermine bien les aliens. J'adore exterminer les aliens. C'est une passion. Hop. Ah, oh, tiens, d'accord. J'ai un event sur un de mes jeux qui vient de me popper à la tronche sur Steam. Merci. Steam, trop aimable. Vous, ici. Ici. Hop. Ça va être une campagne assez rapide, je pense, au niveau de l'aspect militaire. Enfin, j'espère en tout cas, sinon ça sera inquiétant. Du coup, ici, il faut faire quoi? Ça, c'est une plantation, donc c'est ceci. Très bien. Ici, on va faire ceci. Ici, je vais acheter, c'est le vivarium. Voilà, hop. Vu que c'est une ville dans le désert, ça va pas mal plaire. Fort génique ou fort génique. Non, ça. Voilà, parce qu'il faut pas lier à mes problèmes de santé. Trop de problèmes de santé. Du coup. Ben, toi, tu vas pas me servir à grand chose en fait, donc tu vas devoir aller jusque-là. Et toi, du coup, ben, tu continues ton boulot. Voilà. Très bien tout ça. Donc. Tout ça c'est fait, j'ai juste mes bateaux qui vont arriver, donc d'ici deux tours normalement ça devrait commencer à prendre les villes de l'autre faction à la noix. Et puis ensuite il faudra juste aller à... Il faudra ensuite juste aller ici, prendre leur capitaine. Excusez-moi. Et puis ensuite bah, tout simplement faire le point. Par contre, oui, il m'affiche pas les dégâts. Un peu chiant ça. J'ai regardé quand même si j'ai le droit d'utiliser un satellite comme je les aime. Non, malheureusement je peux pas ici, pas ici. Ici je pourrais, ça serait marrant mais je peux pas. Ah, ici je pourrais, ici je peux pas. Ah, ici oui, mais là non. Ok, c'est très intéressant. Mais je m'en fous un peu. Ici non. Alors pourquoi est-ce qu'ici j'ai... En fait je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai le droit là. Ah, c'est peut-être parce que j'ai des unités pas loin. Ça doit peut-être jouer un peu. Il y a des petits trucs là. What the... Ah non. Oui, c'est parce qu'il y a de la phyraxite. Ah. N'importe où.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a de la phyraxique. Donc je peux m'amuser à les pilonner. Sauf que c'est pas vraiment ce qui va beaucoup m'aider. Du coup. Parce que j'aurais bien voulu genre le placer là, mais j'ai pas le droit. Pas le droit. En fait, les endroits où je voudrais m'amuser à pilonner, c'est pas possible. Je trouve ça extrêmement désagréable. C'est pas juste. Vraiment pas juste. Donc bah, en fait, au pire, je placerai un laser là pour prendre cette... Ouais, mais en fait, je m'en fous, je juge seulement sa capitale. On verra ça en temps et en heure. Pas nécessairement les plus intéressants à faire de manipulation. Ok, bon, le monorail est en train de se faire ici. Il travaille tranquillement, tout le monde. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Ici, il faudrait quand même reprendre, acheter un ouvrier. Mais je peux pas encore, il me fait suer. Donc du coup, on va devoir laisser comme tel. Et on va devoir valider, pas le choix. Hop, on valide le tour. Oula, oula. Oh non, non! Mais quelle bande de saleté! Bon, ça, je m'en doutais. Voilà, toi, t'as plus d'avion de merde. Hop, t'as plus d'avion de merde. Vraiment une bande de saleté. Voilà, ça fallait s'en douter. Ok, bon, au moins ici le front est stable, il bouge pas. C'est une bonne chose pour nous. Ce qui me plaît pas, par contre, c'est sur cette ville-là. Là, il y a. Ils essaient de me piquer ce que je veux pas. J'aime pas trop le concept. J'aime carrément pas du tout. Donc ça me fait un peu suer. Hop, donc on va ramener ça et ça. Le bateau qui est là, hop. Vous me direz, s'ils prennent la capitale, ça en fera énormément à prendre techniquement. On est d'accord sur ce point-là, normalement. Hop. Oh, tant pis, je l'ai pas vu, c'est pas grave. Hop. Ah, bah parfait, ici ça a disparu. Moins 16 en santé, c'est une bonne chose. Hop. Bon, écoutez, vous allez remonter, parce que ça sert à rien de rester. Là par contre ça me plaît pas, il y a Monsieur Crabe qui se balade. Hop. Oui. C'est très bien. Donc on avait dit il faut passer sur le côté. Donc en fait faut passer. Faut faire le tour par là, voilà, c'est ça. Hop. Pareil pour toi. Ouais, c'est bon. Hop, vas-y. Hop. Ça va encore finir en bipolarisation du monde. Ça va être extrêmement chiant. Oui. Voilà. Hop, ça me plaît. Très bien. Niveau 9 atteint. Oui, super. Bon, alors. Combinaison de combat. Non, non. Non plus, tu me fais ça. Alors. Voilà, c'est très bien, bon boulot. En fait, je pense que ce qui me coûte aussi pas mal, c'est ce genre de truc, mais étant donné que ça me coûte un peu cher, ben hop, on va les démolir. Bon, ça sert à rien d'en avoir au final, parce que mes villes sont. Se font pas attaquer étrangement. Je comprends pas trop la logique de l'IA pour le coup. On va plutôt se frotter les mains que dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'attaques pas? C'est peut-être la meilleure solution parce que j'ai pas envie d'attiser le diable. Alors. C'est quand même une ville vraiment bien défendue du coup. D'accord, il a plus d'avion ou alors il est pas motivé pour me s'attaquer à moi avec ces trucs. Ah si, ah si, ok. Là, il est motivé, ok. Il a dû comprendre ce qui lui arrive. Ce qui en soi normal, j'ai envie de dire. Tout à fait normal. C'est bien qu'il se réveille un peu, parce que sinon c'est un peu inquiétant. Vraiment inquiétant. Et donc, du coup... Hop. Vous montez là. Vous allez là.
Vous allez là. Donc on ramène toutes les unités, tout simplement. Il y a rien d'autre à dire, rien d'autre à faire. Plutôt clair pour le coup. Ouais. Alors par contre, du coup, bah, vous allez vous soigner un petit peu. Il se passe quoi, là? D'accord, donc lui, il s'amuse comme un petit fou. Ce qui est en soi une occupation comme une autre, hein. On va pas le nier. Hop. Vas-y, hop. Et du coup... Bah ouais, pas trop le choix, donc bah vas-y, hop. Et voilà, qui fait. Donc une unité un petit peu plus sophistiquée, du coup. Hop. Alors, bah tu retires dedans, écoute, hein. Hop, tu retires dedans. Tu t'avances, tu tires dedans. Tu fais, hop, c'est un ordre, et la ville va tomber sur le champ. Et voilà, et par contre, je fais raser la ville, parce que ça ne me sert strictement à rien de la conserver. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Donc du coup, vu que cette ville a été prise, faut se tourner vers un autre endroit où aller. Je vais me déplacer vers où, du coup? Bah vers nulle part. J'ai laissé mes troupes en stationnement, parce que je vois pas trop quoi. Si, j'ai les rapatrié peut-être vers chez moi, à la limite, ouais. On va plutôt faire ça. Hop, plutôt comme ça. Parce qu'au final, là, ça va être que des guerres, comment dire, sur le sol. On va juste les ramener, ça devrait largement suffire, je pense. Hop. Et hop, donc, alors pourquoi est-ce que ça ne marche plus? J'ai un problème pour afficher le live. Je sais pas pourquoi. Je suis désolé, si vous me parlez sur le live, je peux pas voir. J'ai des problèmes ce soir apparemment à nouveau. Lol, c'est un peu pété. Alors... Bah du coup, je sais pas ce que je vais faire. J'exploite pas de Phyraxie, donc ça me sert à rien. Bon, allez, hop, tu vas faire ça. Ok, donc, de toute façon, toutes les troupes sont en train d'arriver, donc jusqu'à temps qu'ils soient acheminés, on peut pas trop faire grand-chose. Là, il y a des petits aliens de merde, là. Oh. Ah bah, c'est parfait, ça. Ensuite, tu me fais siphonner. Ils sont morts, donc on s'en fout. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de me parler. Allure. Excusez-moi, je réponds. Voilà, hop. Hop, je replace bien ça par contre. Alors. En fait, là j'ai piqué la ville, donc il me reste plus grand chose. C'est dur à dire, mais c'est un peu vrai, un peu véridique. Oui, par contre, il est un peu bizarre, l'autre. Ah, et l'arc, ils veulent la paix. Sauf que moi, je vais me battre jusqu'au bout, parce que tu m'as cherché les noises, et que je veux ta capitale. C'est un peu normal, en soi, de vouloir ta capitale, je veux dire. Tu m'as déclaré la guerre.
l'ortie, quoi. Donc du coup, hop, on va mettre toutes les unités en position de pas se les toucher, mais pas loin, en gros. Voilà. Ici, vous vous soignez. Oh. Ici. C'est bien, toi, t'as fait du bon boulot. Sauf que tu me sers plus à rien, je te détruis. Du coup, hop. Hop. Ici. Alors. Oh, le gars, il va péter un peu quand il va voir tout débarquer chez lui, là. Très bien. Et là, hop, tout simplement, on fait... Voilà, et j'ai eu le droit à mon point d'affinité en plus, qui est en suprématie. Et voilà. Qui me rapporte. Ok, ok. Ok, donc j'ai une nouvelle ligne d'amélioration, c'est très bien. Ça, c'est cool. En fait, ça change pas grand-chose. Non, non plus. Ouais, je suis pas très convaincu. Bon, voilà, au moins c'est fait. Ce serait intéressant de faire ces unités-là, par contre, mais... Étant donné que ça va jamais finir, autant faire ceci. Tu me rapporteras peut-être de la thune un jour. Le jardin génique, c'est très bien. Ensuite, toi, tu bouges. Tu bouges, t'as pas le choix. Tu me les tues, t'as pas le choix. Voilà. Et donc du coup, ben hop, tu te mets là. Voilà. Ben dis donc, c'est une partie assez intéressante, faut l'avouer. Mais pas super évident par contre. Parce qu'il faudrait que je m'attaque à ce truc là, mais je peux pas. Ah, attendez, il a peut-être fait une erreur. Oh oui, il a fait une erreur. Oh, c'est trop bien. Sa saleté de machine de diable, là. Hop. Poubelle. Impeccable. Donc, j'ai quasiment fini ce truc là, donc c'est cool. Si je me débarrasse de sa grosse machine du diable, là, c'est parfait pour nous. Vraiment, sérieux. Mais par contre, faudrait prendre cette ville-là, ça a l'air assez chiant. Super évident, accessoirement. Donc du coup, j'ai peur qu'il... Non, il m'a pas tiré dessus avec nous. Étonnant, parce que je pense que c'est plutôt efficace comme bâtiment. Oula, oula, oula. Étonnant, bon, c'est pas grave, hop, très bien. On continue notre petit voyage, notre épopée pour la conquête du monde. Hop, c'est très bien. Vous mettez en comme ça, toi tu reviens, non, toi peut-être du, ouais, voilà. Comme ceci, toi du coup, tu me le coules. Ça, je peux pas l'endommager assez. Attendez. Non, du coup, ça, si je l'utilise contre ça, non. Donc, écoutez, j'ai tiré dessus. Hop, j'ai le pété. Et celui-là, j'ai le pété aussi. Hop. Voilà. Ah, petite erreur de sa part, ou petit scarabée de tout pourri, là. Hop. Mais toi du coup tu fais rien, tu peux rien faire d'autre. De toute façon on a coupé les... son port, donc il peut plus faire grand chose, le beau grain. Clinique, c'est très bien. Merde, oula, je l'avais pas vu là. Oula la 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 la.
pratique douteuse. Pas trop compris. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il est comme ça, bien stylé. Coucher, voilà, c'est bien. Ensuite, très bien, la robotique a été faite. Quelle recherche, ça? Je souhaiterais attirer votre attention sur un point. Serre de drone. Lol. Ok. Lui aussi, ça teint. Lol. Vétérance. Ah, j'aime quand j'ai de la vétérance. Hop. T'es mort. Toi. Hop. Puis toi, du coup, ben, avance. Voilà. Avance. Bon, là c'est vraiment du. En mesure de se déplacer, en déplaçant une ville à pied. Hop. Et voilà. Donc, toi, malheureusement, c'est pas le plus évident. Tu vas rester comme ça en attente. Tu vas rester en état d'alerte. Toi, en état d'alerte. Toi, c'est bien. Tu as fait ton boulot. Je suis fier de toi. En revanche, vous, vous foutez rien, ce qui n'est pas une bonne chose. Hop, vous allez jusque là. Ah là là. Attendez, il me fait quoi là? Il me fait, ouais, c'est bon, il me fait peur et tout. Et donc du coup, ben, ouais, alors j'ai une nouvelle recherche à faire. On va faire ça, ça a l'air intéressant. Alors, du coup, ben, on va valider le tour à nouveau. On peut pas faire autrement, apparemment. Donc, on va faire ça. Alors. Plutôt des installations intéressantes. Ah, mais non, je suis con. On peut faire un truc, là, normalement. On va se marrer un peu. Si ça veut bien, cette fois. Et... oui. Oh, ça va être marrant. Sérieux. On fait péter le... oh. Trop bien. Oh, à côté de Vanguard en plus. Oh. Alors, qui que je vise? Ouais, ouais. Bah écoute, je vais pas me faire suer. Bim. Allez, hop. Toi, tu passes ton tour. Toi, tu vas aller... là. Vu que c'est un désert, de toute façon, hop, tu fais ça. Une ville a gagné en population. Bah, c'est bien. Good job. Culez-moi. Voilà, c'est bien. Tu vois, tu fais des choses intelligentes. Mon mec a servi à quelque chose, c'est très bien. Hop, tu continues à faire de la science. Du coup... bah, en fait, il n'y a plus grand-chose ici, hein. Du coup... tu peux tirer? Ah non, je me disais aussi que c'était trop beau pour être vrai. Mets-toi là. Et toi, tu peux dire. Oui, c'est trop bien. 48. Il valait peut-être mieux inverser en fait. Bon, c'est pas grave, on fera ça pour la prochaine fois. Hop, on fait une petite intrusion dans le territoire. Tout le monde sait que j'aime faire des intrusions dans le territoire. C'est quoi ça? C'est un Lasercom. C'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Oh, il m'avait fait peur le truc. Je croyais que c'était un truc qui voulait me tirer dessus comme un dingue. Donc du coup, on va les prendre aussi. Hop, on valide. Alors. Ah non, mais le casse pas. Saleté. Casser mon truc. J'ai déçu. Déçu. Franchement, déçu, déçu. Bah du coup j'en ai encore un au rabais, donc hop, on va le relancer après. Je sais pas pourquoi on se casse la tête. Alors non, avant on va déplacer cette unité là. Après. Excusez-moi. Hop. Non. Pas à pas s'il vous plaît. Pas à pas, pas à pas. Hop.
Voilà. Ici. Mais du coup... Bah du coup, toi, je te veux rien, donc j'ai pas de taper. Hop. Alors, mais arrête de vouloir te barrer, il me fait suer, lui. Quel casse-pied. Vraiment des cochonneries aliens. Pas pour rien que je veux tous les tuer, hein. Bande de saleté. Alors, hop. De rien faire. Bah du coup là vous pouvez pas faire grand chose. Ah mais si, vous pouvez même tirer de là. Oh, c'est vachement bien. Voilà, sa capitale va tomber plus vite que prévu. Donc c'est plutôt une chose très appréciable. Donc on va faire ça. Ceci, qu'est-ce donc? Bon, s'il se fait bouffer, c'est pas grave. Hein. Il est plein arabe, donc... On va pas être très perdant. Non, j'ai une... ça me semble bien, au revoir. Si, très bien. Ouais. Bah, c'est plutôt bien tout ça, honnêtement. Plutôt bien. Bon, on domine un peu la map de bout en bout, mais... qui ressemble à rien au final, mais c'est pas grave. Allez, hop, on valide le tour. Vos pillages. J'ai rien fait de mal, moi, madame. Je ne fais que répondre à une agression fort désagréable, n'est-ce pas? Vas-y, bute-le, bute-le, bute-le. Voilà, c'est bon. T'as buté l'alien. Pille, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, tu pilles. C'est bien. Tu tues. Vas-y, va tuer. La passion. Voilà. Hop. Alors, ensuite. Tout ce beau monde, faut l'acheminer encore. Du coup, ça, ça va pas bien marcher parce que ça va pas bien marcher. Hop. Hop, hop. Attends deux secondes, on va d'abord bombarder. Hop. Et si je peux, à la limite, je vais tricher, je vais utiliser le lasercom. Enfin, pas le lasercom, lui. Qu'on va bien replacer parce que je suis un gros vicelard. Et voilà. Il tire dedans. Hop. Impeccable. Oh, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Va falloir aller ici pour réparer. Puis après, il faut refaire la route pour relier les villes à nouveau entre elles. C'est une bonne chose en soi, je pense. Ah ben voilà, là tu vas arrêter de me faire suite. Boum, allez bouffe. Voilà. Ta petite... non, j'aurais pas dû faire ça, excusez-moi. On va placer tous mes navires adéquats à la bonne destination. Donc à savoir qu'on va aller bouffer le petit voisin que j'ai gardé ici. Justement, tout le monde sait que j'aime manger mes voisins. Hop, on prend, c'est un ordre. Mais j'ai pas le choix, donc faut l'annexer. Si, très bien. Excusez-moi du coup dans le micro-passage. Tu vas me virer ça, ça coûte de l'argent. Pas besoin de perdre de l'argent encore. Hop, pourquoi t'as pas fait ça au départ? Je ne comprends pas. Tu vas me faire ça ici. Tu vas me faire quoi? Bonne question. Qu'est-ce que tu peux me faire comme bâtiment? Rien du tout. Rien du tout.
En plus, ça coûte de l'argent, c'est inutile, c'est inutile. Bon, écoute, tu vas me faire de la... Tu vas me faire de la monnaie-monnaie. Hop, voilà, de la monnaie-monnaie. Là, tu seras quelque chose au moins. Hop, alors ici, tu me fais ça. Ici, hop. Prochaine cible, c'est Vanguard. Hop. C'est ça, c'est un marais, ça. Ouais, c'est ça, c'est un marais. Ça sert à rien, donc. On va se casser, on va pas se casser la tête, pour le coup. Vous allez me réparer tout de suite ça. Ça, c'est bon. Donc, vous allez aller là. Mais je l'avais pas déjà fait, ça. Bonne question. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est fait. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a un truc de... C'est complètement con. Il a... Ça, on va le virer, parce que ça coûte de l'argent. Ça, on va le virer, parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est inutile, mec. Bon. Après, on va avancer jusqu'ici. Il ne restera plus que cette ville-là à prendre. Et on aura l'objectif de domination, normalement. Ouais, c'est ça. Donc, il n'en reste plus beaucoup à faire, de toute façon. Donc, ça va être plutôt rapidement fait. Donc, c'est parfait pour nous. Nous allons dominer le monde. J'adore dominer le monde. En plus, j'ai pas encore fait de victoire avec ce... Par contre, il me pète à chaque fois mon satellite. C'est extrêmement énervant. Vraiment, vraiment, sérieux. Ouais, ma sentinelle est toujours là. LOL. C'est pété. Hop. Alors, du coup... Bah, du coup, ici... Ensuite, vous, vous avancez, vous avancez... Bah, vous avancez aussi, hein. Bah, c'est pareil pour tout le monde. Tac. Oh, le petit coquin. Hop, t'es mort. Ça, c'est fait. J'aime pas les pistoles comme toi. En état d'alerte. Tu bouges jusque là. Hop. Alors, du coup, vous venez là. Hop. Là, le bordel. Enfin, franchement, évitez dans vos parties d'avoir autant d'unités militaires, parce que c'est un peu... un petit peu abusé. Donc, bah, du coup, vu qu'ils me servent plus à rien, on va les déporter, hop. On va les embarquer ailleurs. Pareil pour vous, allez, hop. Normalement, ça devrait aller plutôt vite. Maintenant, ce qu'on... en fait, on a quasiment, quasiment mis les... Enfin, ce qu'il faut, quoi. On a vraiment quasiment fini la partie. Par contre, j'ai un petit problème. Faut que je réfléchisse à un petit souci, que je me rappelle plus où est-ce qu'il était. 11 tours, ça va être long. Je vous le dis pas. C'est... J'ai plus de laser-com, donc ce qui veut dire que j'ai un peu me faire rouler dessus par les villes. Donc en fait, on devrait peut-être éviter de se trop se rapprocher d'eux. C'est pas très grave en soi. Il y a une vétérance qui est obtenue. Ici. Ici, tu vas me faire un réacteur au thorium. Ici, tu vas me faire un machin truc laboratoire. T'as oublié une chose. Et donc, il y a ça aussi qu'il faut que je pète. Si j'appuie sur valider avant, ça va pas le faire. C'était... à centrale, parce qu'il y a plein de bâtiments qui servent à rien, qui pompent sur ma thune. J'aime pas quand ça pompe sur ma thune. Donc du coup, bonne idée. Allez, hop. Valide toi. Ah. Ben voilà. Puis tu vas avoir du travail, mon coco. Voilà, ça je m'en doutais. C'était à prévoir. Allure. Ça donne quoi ça? Payant.
plutôt pété comme, comme truc. On va voir ce que ça donne. En tout cas, sur le papier, c'est plutôt pété. En état d'alerte. Sauf que j'ai peut-être fait une erreur, là. Donc, ici. 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 Voilà. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Ici, très bien. Ici, très bien. Alors non. Hop. Alors où est-ce qu'on en est ici? C'est ça. Hop. Non, merde, j'ai fait des bêtises. Hop. En état d'alerte. Ah, attendez, hop, j'ai juste déplacé tous mes navires. Hop. Alors, où est-ce que j'en suis, là? Là. Et ici, tu me fais une ferme. Tu me l'as réparée, c'est très bien. Grande question étant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Parce que le problème, c'est que j'ai de moins en moins de choses à faire, en fait, ce qui est plutôt, plutôt étrange comme situation. D'accord, donc cette case-là n'avait pas été aménagée, donc c'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Alors, c'est quoi? Premier rapport, nous allons indiquer que même pour finir. Hop, voilà, c'est pas l'argent qui me manque. Je peux me permettre de... Il a été tué? Ah non. Ah bah cool, nickel. Il y a des petits malins qui essaient de me piquer, mais... De me piquer des trucs, donc c'est plutôt cool. La... Plutôt efficace, la... le contre-espionnage. Tu me fais ça maintenant. C'est parti. Alors... Mais oui, fais-toi plaisir, vas-y, fais-toi plaisir. Ta ville va être explosée en petits morceaux. C'est pas un problème. Vraiment pas. Oups, pardon. Il faut que j'arrête d'appuyer sur les mauvais trucs. Alors... Hop. Par contre, ça commence vraiment à être bouchonné, donc il va falloir faire attention. Tac. Tac. Ici. Tu te soignes. Alors du coup... Tout ça, j'en ai un peu rien à faire. Donc jusqu'ici. Alors ça va sans doute me donner un gros malus dans le... dans les relations diplomatiques, mais je m'en fous un peu. Mais de toute façon, je fais une partie pour dominer. Hop. C'est très bien. Maintenant ici, la prairie, tu me fais... une petite ferme à nouveau, je m'ignore. Alors, et on va pas valider le tour, ce qu'il faut encore que je vire un truc. Faut que j'y pense, hein, sinon ça va vraiment mal se passer. Centrale, donc c'était le... Voilà. Combien de temps? 9 tours, ok, hop. Ah, il y a qu'est-ce qui se passe? Un truc bidule chose me déclare la guerre, d'accord, si tu veux, oui. T'es un peu loin, donc tu peux pas me faire grand-chose en soi.
juste une vision paradoxale des choses, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout à fait le droit. Mais je peux peut-être vous aider. Et voilà, bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Neurolab ou... Non, la santé. Faut de la santé. Voilà. Merci. Alors, du coup... Oula. D'accord. Non, ça je me suis trompé. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, au revoir. J'ai pas prévu de te faire la guerre tout de suite. Donc je m'en fous un peu. Il faudrait que je fasse cette recherche-ci. Alors, le Neurolab, je l'ai pas fait ici? Non, mais on va faire ça par contre, parce que c'est plutôt intéressant pour nous. Du coup, toutes ces unités-là, elles vont être mises en attente. Ok, donc techniquement, là, si je fais... donc du coup... On va attendre le prochain tour. Pour faire la guerre, hop, excusez-moi. On va attendre le prochain... Tac. Tac. Et hop. Bah c'est bien tout ça, allez hop. Tu me fais ça. C'est très bien. Un peu trop même. Hop, tu vas me... Non, là, là, c'est bien là. Reste. Reste là. Voilà. T'es pas le con. Alors, qu'est-ce qu'ils me font? Je suis en train de les dégommer tous, mais je comprends pas ce qu'ils me font, la LIA. Fait partie des comportements bien étranges. Mais c'est pas grave. D'accord, si tu veux pour Vanguard, ok, si tu veux, si tu veux. Je vais acheter un laser, là. Je vais m'acheter un cache. Ce sera plus pratique pour nous. Sauf qu'il veut pas. Oula, ah si, là il veut peut-être. Ah si, là il veut, ok. Arrête de me faire des bêtises comme ça. Tu me fais... Oula, oula. Voilà, moi, c'est le laser orbital que je veux. Donc, il sera lancé au prochain tour. On va se barrer un petit peu avec. Et du coup, en bâtiment, qu'est-ce que tu peux me faire, là? Banque module, on s'en fout, on s'en fout. Sphère de drone. Ah, c'est bien. Tu te soignes. Tu te mets en position d'attente. Oui. C'est très bien. Hop, donc ça fait hop une situation qui change un petit peu. Hop. Toutes ces villes sont portuaires, donc vous allez voir qu'il n'en a que deux. Ça devrait aller plutôt vite, je pense. Ça devrait aller plutôt vite. Vas-y, hop. Voilà. Du coup, bien pour changer, fais ça. Tu vois, ça nous détendra un peu. Hop. Toi, tu tires dedans. T'as tiré, t'as tiré. T'as pas encore tiré. Hop. Tu attaques. Voilà. Annexé. Du coup, ici... Oh, mais c'est parfait. T'avais pas mis de truc de merde, donc c'est parfait. Un peu plus heureux de la vie. Raffinerie d'eau, parce que c'est bien.
C'est impeccable. Donc, une chose de faite. Je suis heureux. Ça fait une nouvelle quête pour nous. Alors, faut que j'assigne dans des nouvelles cités, genre fin de gare. Oui, c'est ça. En plus, c'est ta capitale, donc je vais t'y assigner. Et toi, je vais t'assigner à... C'est quoi ta capitale, du coup? Peut-être la... seconde ville la plus développée, je pense. Non... Oui... Ouais, mais celle-là, je vais peut-être te la piquer, en fait, donc... Mais je peux pas. Donc, j'ai vu juste la mettre... Voilà... C'est très bien. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Youpi, tralala, prout prout. Mais du coup, à part se les toucher, là, on peut plus faire grand-chose. Si, il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est avant-garde à chaque fois. Faut que j'y pense. Donc là, c'est le centre de réparation qu'il faut virer, parce que ça me coûte de la thune. Voilà. Développe-toi tranquillement. Valider le tour. Voilà. Pardon. Et donc, du coup, ben... Malheureusement, vous ne verrez pas dans ce live la fin de l'épisode. C'est dommage. Par contre, là, il est motivé pour me reprendre la ville, le beau gras. Lol. Lol, il l'a repris. Lol, ça, c'était pas prévu. Il m'a piqué mon unité. Oh, le fou. Est-ce que c'est inclus dans le truc, là? Oula, 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 oula. Lolo. Parfait, mon laser com est paré. On va se marrer. J'ai l'envoyé juste après. Après avoir repris la ville. Du coup. Fire. Fire. Oh, petit bateau à la con. Hop, t'es mort. Donc, ça, c'est fait. Par contre, je suis un peu dégoûté. Ah merde, non, voilà. Peut-être pas faire les fifous. Il y a des bruits bizarres. Non, avant, on va lâcher ce truc-là. Vas-y. Voilà. Ben, tu l'annexes. La santé de votre... Tais-toi. Et là, on va l'envoyer, le lasercom. J'ignore pourquoi est-ce qu'il veut pas trop. Il y a un truc qui est déjà annoncé. Ah oui, c'est parce qu'il y a le Necker. Hop, c'est parti. Bah du coup, vous, hop. Voilà, ça c'est fait. Quasiment rayé de la carte. Et du coup, là, tu me fais pas suivre. J'avais demandé une raffine d'eau. Tu me fais ma raffinerie d'eau. Quel casse-pied. Donc, ça c'est fait. Ici, est-ce qu'on peut changer l'ordre de construction? Non. Donc, on va le laisser comme tel. C'est parfait. Hop. Donc c'est très bien. Hop, donc on va valider. Je vois qu'il est 24, on va pas tarder à se quitter, malheureusement. C'est la vie. Et je finirai ma partie juste après. De toute façon, vous pourrez aller voir dans mes photos sur mon compte Steam, vous verrez normalement la photo en victoire par domination. C'est un peu le but. Tout de même. Donc, qu'est-ce qui lui arrive là? Ah oui, c'est tu me le pètes, ouais. Ah bah t'es content. Très bien, bon. Motivé comme pas possible. Ça sent que c'est un peu la guerre pas chiante et barbante, mais pas loin. Faut l'avouer. Puis...
coup, non, c'est pas ça qui m'intéresse, là. Tu les tues pas d'un coup. Tu les tues d'un coup. Donc, ce que je vais faire, c'est même pas ça. Tu les tues d'un coup, hop. Tu te soignes, hop, on rachemine tout. Hop. Ça, on va le mettre là. Ça, là. Alors, du coup, lui, il a une vue sur quoi? Sur eux. Ouais, sauf que ça ne m'intéresse pas trop. Sur ça, c'est très bien. Sur ça, c'est très bien. Et sur celui-là, c'est très bien. Hop. Parfait. Donc tout ça, ça a été fait. Relique de la terre ancestrale, c'est très bien. On va faire le jardin, truc bidule, machin, truc chose. Voilà. Donc, on va refaire tour à centrale. Qu'est-ce qu'il y a encore à virer? C'est pas dans 22 heures. Mario, il sert à rien. Ouais, non, laisse-le. Il va me poser des problèmes, ça. Ok, bon, ben on va dire que c'est bon. Juste investir dans des unités en plus de construction, mais sinon c'est bon. Ici, il faudra refaire tout le chemin là. Bon, ça, c'est psychologique, hein. Ne cherchez pas plus loin. C'est normal. Ouais. Ce qui me fait sûr, c'est que j'ai une partie où j'ai beaucoup d'aéro-roches, mais j'en exploite pas des masses. C'est un peu con. Mêlure. Donc, mais du coup, juste voir un truc pour le visuel. Gros foutoir, cette huile-là. Allez, hop, on va revalider. Malheureusement, je ne peux pas m'en... Je peux pas m'en débarrasser, malheureusement. Il faudrait que j'entre en guerre avec eux, mais j'ai pas trop la motivation pour. Parce que c'est chiant, en fait. C'est pas la chose la plus intéressante. Pardon. Donc, du coup, on va... juste faire là ce qu'il me demande, c'est à savoir, on va faire le jardin chez Nick, on va faire la clinique, on va faire la... L'une clonage, c'est intéressant, ouais, très bien. Ensuite, en ordre, les unités, hop, il demande, on va leur donner. Donc, bah, du coup, hop. On en réachemine tout à nouveau parce que c'est notre passion. J'ai juste fait une petite erreur, j'ai l'impression. Tête d'alerte. J'ai juste fait une petite erreur. Du coup. Celui-là va tirer. Celui-là va tirer. Celui-là va tirer. Celui-là va aussi tirer, voilà. Et je me rappelle de mon erreur, voilà. C'est juste le sortir lui pour pas qu'on ait de problème à se faire. Voilà. Bah c'est parfait tout ça. Si parfait. Hop, un petit désert, on va l'améliorer aussi. Et du coup, on va se quitter sur ces images. Donc j'espère en tout cas que ce live assez bref vous aura plu. C'était vraiment ici un but de vous montrer un peu une partie avancée sur l'extension
Rising Tide de Civilization Beyond Earth, qui est sorti il y a moins d'un mois. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit la compagnie Myrienne ou Myri 41 ou Valo the Best. On vous invite aussi à nous... Enfin, pour moi, en tout cas, Myri 41, à vous rajouter sur Steam... À me rajouter quand même sur Steam, Myri 41. Et il y a aussi le groupe Steam, si vous voulez, pour LCM et Myri 41. Et voilà. Donc je vous dis ciao à tous et à la prochaine. Espérons que ça vous ait plu. Voilà. Tchuss.